Et salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo Dead by Daylight Killer avec le McDo Clown, incroyable tueur du coup, et un build que j'apprécie énormément. C'est parti. On va prendre brutalité rapide du xénomorphe qui fait que vous ne pouvez plus avoir de Bloodlust, et lorsque vous allez blesser un survivant avec une attaque de base, vous allez avoir 5% de rapidité pendant 10 secondes, et je rappelle, rapidité augmente la vitesse de mouvement du tueur. Vous allez prendre dissolution du dragage, qui fait que 3 secondes après avoir blessé un survivant par n'importe quel moyen, cette compétence s'active pendant 20 secondes, et tant qu'elle est active, et bien si un survivant saute en courant par-dessus une palette dans votre rayon de terreur, l'entité brise la palette, et cette compétence se désactive. Gardez le meilleur pour la fin de Myers, vous avez une obsession donc pour un survivant, vous obtenez un jeton pour chaque attaque de base réussie qui n'est pas infligée à celle-ci, cela vous donne une réduction cumulable de 5% sur la récupération donc des attaques de base, et ce jusqu'à 8 jetons, donc 40%. Lorsque vous allez frapper votre obsession avec une attaque de base, vous perdrez 2 jetons, et si elle meurt, eh bien vous terminez la partie avec le nombre de jetons en votre possession sans pouvoir en gagner davantage. Enfin, vous allez prendre la secousse, qui fait que lorsque vous allez plonger un survivant en état critique avec une attaque de base, eh bien vous allez faire exploser tous les générateurs dans un rayon de 32 mètres, ils vont commencer à régresser. Les générateurs affectés par secousse eh bien vont perdre immédiatement 8% de leur progression. Les add-ons, vraiment du classique, le flacon de détergent qui va augmenter de 4% le malus d'entrave suite à intoxication. Donc, je rappelle, entrave réduit la vitesse de mouvement des survivants. Et les bouteilles de gin bon marché qui vont donc vous faire commencer la partie avec 2 bouteilles supplémentaires et qui augmentent de 2 le nombre maximum de bouteilles portées. Alors l'idée dans ce build est simple, vous avez déjà maximisé un maximum eh bien, les jetons. Toujours avoir au minimum 5, 6 voire 7 jetons pour pouvoir avoir votre chase beaucoup plus rapide. Vous allez intoxiquer les survivants, ils auront un maximum donc d'entrave de malus par rapport à leur vitesse de déplacement. Sauf que vous, en les frappant avec une attaque de base, eh bien vous allez faire proc la brutalité rapide, vos chases vont être absolument dévastatrices. En plus de ça, vous allez avoir la dissolution, ce qui fait que lorsqu'admettons vous êtes sur un loop avec une palette, vous allez utiliser donc votre détergent pour ralentir eh bien le survivant et vous allez tout simplement vous rapprocher de l'autre. Soit vous arrivez eh bien à mind game et à du coup surprendre le survivant avec la dissolution, en plus il sera donc dans votre rayon de terreur, ce qui fait que la palette va être détruite. Si jamais elle n'est pas détruite, vous lancez du coup un détergent pour ralentir le survivant, vous allez briser la palette. Vous pouvez également aussi, pendant que vous brisez la palette, vous avoir vous-même lancé donc une bouteille de tonique, ce qui fait que vous aurez le speed, le survivant sera ralenti et vous pourrez le rattraper immédiatement. Et enfin, la secousse est là pour ralentir la game, puisqu'en plus de ça, tout se passe autour des attaques de base, donc vous allez augmenter vos slacks de garder, vous allez avoir la brutalité rapide et vous allez faire éclater les générateurs. Je rappelle, avec le clown, si vous visez en hauteur avec vos bouteilles, vous allez couvrir une plus grande zone avec vos bouteilles, premièrement. Deuxièmement, à chaque fois que vous faites une action, que ce soit recharger, endommager un générateur, ramasser un survivant, lancez toujours la bouteille de tonique jaune, donc pour vous donner le bonus de vitesse afin de faire ces actions beaucoup plus rapidement et ne pas perdre de temps. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe sur Raccoon City. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche, Twitch du lundi au samedi et le plus important, bonne chasse à tous. Bienvenue à Raccoon City. Mademoiselle Red, tu me lâches déjà une God Palette. Et elle joue avec quoi comme... Oh salut. Le réflexe de lui mettre un coup de là, un coup de... Le réflexe de lui avoir mis un coup dans le bidou. Ah mais non, mais non, non. Oh, sérieux. Frérot, mais c'est tellement bien ce tadon.
Non, 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 non. Ah, mais c'est encore l'obsession, frérot, c'est trop! Vas-y, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Oui, demain. Tain, par contre, elle, faut vraiment plus que je la touche, là. En vrai, sans déconner. Hein. Déconner. Ok, il y a la Michaela qui est là. J'ai vu qu'il y avait une Meg. Ah, là, c'est vraiment la. Ah, elle est là. Non, oh là, j'ai confondu une Meg avec une rambarde. Pour te dire à quel point. Salut! Par contre, honnêtement, tu vois, encore, on en revient au même, hein, Peter. Hein. Le truc des bouteilles, je trouve ça vraiment chiant, hein, sans déconner. Hein. Les bouteilles, qu'on voit plus le truc jaune, c'est chiant. C'est... Franchement, c'est lourd. Bah, tu peux pas différencier les deux icônes en fait. C'est ça qui est chiant. Y a quelqu'un là-bas? Non, y a personne. En vrai, pour le coup, la game là, elle est bien partie. Hein. Je suis à 5 gènes. J'ai déjà fait 5 hooks. Je suis vraiment en train de les dérouiller. Hein. Après, en soi, tu vois, bon, là, tant mieux. Là, je vais faire ça. Mais en vrai, on est bien. Hein. Sont partis là-bas. Est-ce que par hasard ils seraient pas... Ok. Je pense qu'ils sont dans la bibliothèque. Ok, ils sont là. Parfait. Bah ouais, mais C'est pas forcément la plus Et là j'ai le bonus de vitesse mon pote avec ma bouteille. Et là t'as le seum. Oh et là t'as le seum. Bon sinon quoi de neuf Kogan? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi de neuf? Ouais, bon, en fait, je disais que j'étais plutôt bien, mais j'ai peut-être fait un peu le malin là. En vrai, honnêtement, j'ai peut-être fait un peu le malin là. Pour le coup, pas forcément fait gaffe à ce que je faisais. En vrai, il reste un gène là, un gène là et un gène là. Non, en vrai, je suis bien. Hein. Parce que là, du coup, tu vois, j'ai pas forcément. Je vais pas camper, tu vois. Mais en fait, je zone. Et comme je zone. Oh, vas-y, s'il te plaît. Oh, c'est une blague. Est-ce qu'il y a personne qui va venir la déhook? Tu fais quoi comme taf, Kogan? Ok, ils sont là. Non, mais vous allez vraiment... Ah bah, elle est morte, hein. Tchè. Elle est morte. Ah, elle est morte. Allez, hop. Courant qu'elle est morte là.
je sais pas. Tu travailles pour la foire au vin, mais c'est trop bien. En vrai. Y a pas de... En vrai, c'est grave cool. Pourquoi tu... Ouais, ouais, je pense qu'elle a vraiment essayé, ouais. Chelou. C'est vraiment bien, la foire au vin. En vrai, c'est grave cool. Okay. Ça va aller des hooks. Mégaise. Ça, ça t'a marqué, hein, quand même, Peter, hein. Le coup de la mégaise, hein. Ouais, bah ouais, bah c'est ça, hein. Elle est morte, elle. Ah, mais c'est mon obsession. C'est mon obsession. J'ai bêté les plombs, j'ai abandonné, j'ai baissé les bras. Ouais, bah ouais, hein. Il faut leur... Nice. Oh, 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 Rook. Le petit slow. Le petit slow qui va bien. Ok. Bon, on va terminer la game du coup avec 4 gardons. Ouais, ouais, ouais. Non, non, si jamais, du coup, t'as pas la donne, ça sert à rien. C'est juste à... Ça fait un beau son. Tu vois, ça fait un beau son aux oreilles. Ça fait genre ting. Ça n'a aucun sens. Y a un seul skin avec Hélène, du coup, Mali, c'est celui qui est du DLC. C'est celui du DLC. Oui, c'est la donne. Ça, c'est la donne gris. C'est une bouteille confetti, Peter. J'ai plus trop l'effet d'ailleurs qu'elle fait, celle-là. À mon avis, ils sont là-bas. Je crois que ça te donne un bonus de points de sang, Peter. À confirmer, mais je crois que ça te donne un bonus de points de sang. Ça donne un bonus de points de sang, je crois. Mais j'en suis pas. En vrai, on va regarder après la game. On va regarder après la game, du coup. Bon. Bonjour. Moi, je suis le clown sur Raccoon. Ah, ils vont se planquer, c'est une blague? Ils vont se planquer, les gars. Ah, c'est terrible. Oh. Ils se sont planqués. Ou alors ils sont là-bas, mais... Ouais, ils sont planqués, les gars. Ils jouent plus. Ils sont où? Ah! Ils sont là, les gars! Je crois que j'ai entendu une Meg. J'ai entendu une Meg, les gars. Ouais, bah ouais, c'est là que je suis content d'avoir la bataille... De ouf, c'est là où je suis content d'avoir la... Ah, ils sont là, c'est bon. Ça a repris de gêne. Voilà, Meg. Salut. C'est ma destinée, j'ai pété les plombs, j'ai abandonné, j'ai baissé. Nice. Ouais, bah non, mais après la bouteille dans l'arbre en soi, c'est pas une mauvaise strat. C'est parce qu'en fait, quand tu lances tes bouteilles en hauteur avec le clown. Eh bien, tu couvres une plus grosse range, tu vois, en termes de circonférence. Regarde, par exemple, je vais te montrer un truc, un exemple tout bête. Regarde, Mali.
Là, je vais balancer une bouteille, ok? T'as vu, t'as juste le petit... t'as le petit rond, là, ok? Maintenant, regarde. T'as vu toute la range que je fais? T'as vu toute la range que j'ai, là? Pourquoi quand tu sautes dans le vide, tu mérites? C'est pour récupérer plus vite, tu vois, au niveau du... Bruit qui me fait rêver. Ouh, quand je regarde au fond de toi, je vois l'éternité. Je vois la grâce et la volupté. Prends-toi une bouteille à la tienne, Étienne. Si, et si, si, c'est pour toi, chérie. Tu veux mourir? Oui, oui, oui. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Tu veux mourir? Non, non, non. Oui, oui, oui. Allez. Vas-y. L'au-delà. Michaela, sexy. Pas de pitié ici. On est là pour du fun, Kogan. En vrai, honnêtement, c'est très très rare quand je laisse sortir des survs. Mais là, en l'occurrence, la trappe, elle passe... Oh mais ça va, c'est pour... Eh, on est là pour rire, on est... Qu'est-ce qu'on s'en fout, elle a fait sa game, choquée.